Je suis professeur et je vais faire un cours. Je vous rends vos copies. Daniel, 18, bien. Karine, pense à faire un effort. Sakura, tu peux faire mieux. Merci. François Hollande, plutôt pas mal. Luna, sans commentaire. La pauvre. En ce moment, Luna n'a que des mauvaises notes. J'ai peur qu'elle aille mal, même si elle affirme toujours et donne l'air du contraire. Ça fait des années maintenant qu'on est à Nice. Enfin, j'espère qu'elle me considère comme ça. Les jours passent et il ne se passe jamais rien de spécial. J'aimerais tenter quelque chose. J'ai vraiment peur, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie qu'il continue à ne rien se passer et qu'un jour, je ne la vois plus? On approche de la fin d'année. J'ai vraiment peur. Je dois le faire si je veux vraiment que quelque chose bouge. Love Lady, je suis tellement stressée. Je suis contente de te revoir. Tu es mon poney préféré de l'école. Un petit entraînement, ça te dit? Sakura, pourquoi tu n'étais pas là hier? J'ai croisé un camion et... Enfin, j'étais plutôt malade. Ouais, plutôt. J'avais trop peur de revoir Luna, surtout. Hein. Tiens, elle n'est pas là?
Bonjour, levez-vous. J'ai un message important à faire passer. Comme vous le voyez, votre camarade de classe est absente depuis hier. Hier aussi ? Il se trouve qu'elle n'est pas rentrée chez elle la dernière fois. Ses parents la recherchent, elle est officiellement portée disparue. Si quelqu'un a la moindre information pouvant vous être utile à la retrouver, venez nous voir. Quoi ? Non. Ce n'est pas possible, je me sens pas bien. L'infirmerie. La jeune Luna est portée disparue depuis hier dans la ville de Dundle. Si vous la trouvez, merci de nous contacter. Ce n'était pas un cauchemar. Vite! Bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais plus d'informations sur la disparition de Luna. Bonjour. Eh bien, elle n'est simplement pas rentrée depuis son dernier cours et n'a laissé aucune trace. T'es une amie à elle ? Oui. Affirmer que je suis son amie me fait plaisir. Dis-nous en plus, as-tu des choses à nous dire sur elle ? Dernièrement, c'est à ton PC. Je soupçonnais qu'elle ait un problème ou se sente mal. D'autres choses pouvaient te faire penser ça ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont toujours l'air de bonne humeur, mais vous avez l'impression que ce n'est qu'un jour de façade, ou que derrière la personne a beaucoup de problèmes. Je m'inquiète beaucoup pour elle, en général. Qu'est-ce que vous allez faire pour la retrouver ? On interroge des personnes, effectuons des rondes, faisons notre enquête. Son téléphone est intraquable. Il est difficile de deviner où elle se trouve, surtout ici à Dundle. En tout cas, fais attention à toi quand tu sors, au cas où. Chef, nous captons un faible signal de son téléphone. Ah bon ? Où ça ? Au Wildwood. Quoi ? Donc c'est un bug. Personne ne peut aller là-bas. Oui, c'est un bug. Le signal est déjà perdu. Les journées sont longues, déprimantes, stressantes et angoissantes. Luna a disparu sans même avoir pu lire ma lettre. Je m'y suis prise trop tard, une fois de plus. Lady, désolée, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas t'entraîner normalement avec ce qu'il se passe en ce moment. Quoi ? De... Où tu vas ? Oh, mais tu as raison. Merci. Tu es vraiment un bon poney. Faisons une ronde. Cherchons Luna. Il n'y a vraiment aucune piste.
une minute. Quoique... Mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous encore ici? Je sais très bien ce que je dois faire. Love Lady, désolée, je ne viendrai pas t'entraîner demain. J'espère que les autres prendront bien soin de toi et aussi que tu pourras comprendre. Tu es le meilleur poney que j'ai monté. Mais désolée, il existe une personne qui pour moi est plus importante que toi. Je ne peux pas rester sans rien faire. À plus tard, j'espère. C'est ça l'entrée? En effet, qui peut aller s'enfoncer là-dedans sérieusement? Waouh, mais c'est incroyable. Comment un endroit pareil peut exister? C'est impressionnant. J'ai froid, j'ai soif, je suis fatiguée. Non, pas encore, pas ici. Non.
Mais de qu'est-ce que... Love Lady? Mais de... Hein? Mais... On est toujours dans la forêt. Love Lady, ne me dis pas que tu... Tu es venue jusqu'ici. Moi qui comptais sur les autres pour s'occuper de toi. Elles t'ont vraiment pas bien surveillée, hein? Love Lady, c'est à présent un fait. Une certitude, tu es le meilleur poney du monde. Merci, je suis contente de te voir. Cherchons Luna ensemble. Et moi je dis, non, déjà de toute façon, la politique de nos jours, non mais les jeunes, vraiment. Puis vraiment, avec, en ce moment, avec le front parti politique, là, tu vois ce que je veux dire, quoi. Après, entre ça et Little, qui fait plus de glace à la menthe. Lady, tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que... Quoi? Thank you.
Une autre fille ici? Enchantée de te rencontrer, comment t'appelles-tu? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu t'es perdue? Je sais pas. Allons au village. Luna sera contente de voir une autre fille. Elle est ici? Oui, suis-moi. Est-ce que je rêve? C'est incroyable. Luna, on a quelqu'un pour toi. Quoi? Bon, je vous laisse vous retrouver. Love Lady, tu viens prendre un café? Love Lady ne sait pas... Oui, avec plaisir. Dites-moi, très cher, quelle est la politique de votre communauté? Disons que, comparé aux occidentaux, nous avons d'autres systèmes, en particulier celui des assurances maladie et des congés de travail. Mis à part cela, dites-moi, ma chère, aimez-vous le golf? Nous avons un terrain un peu plus loin. Fort bien. Dites donc, vous me surprenez. Avez-vous des voiturettes? Je ne saurais vous cacher qu'en conduire une a toujours fait partie de mes fantasmes. Quel sens de l'esprit! Bien évidemment, nous en avons et nous serions ravis de vous y entraîner. Charmant, parfaitement charmant. Quel sens de l'esprit! Et qu'en est-il des parties de billard? Ah, quel sens de l'esprit! Vous, ma chère, semblez aimer mettre des balles dans des trous. Quel sens de l'esprit! Je vois que vous avez pour habitude d'assaisonner vos discours de quelques rigolades. Fort bien, fort bien. Quel sens de l'esprit! Mais quel sens de l'esprit! J'apprécie, j'apprécie. Ah! Sakura, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que... Je n'allais pas te laisser seule. Je ne sais pas trop expliquer ce que je ressentais. Aller en cours, travailler, partir en ville, racheter du matériel, rentrer se coucher et repartir le matin. Tout ça en regardant parfois des films sur des aventures incroyables et des contes de fées alors que toi tu es là, à tourner en rond en continu sans jamais rien faire d'intéressant. La vie vaut mieux, non? J'ai donc décidé de partir dans l'endroit le plus inconnu et déconseillé de la région, à la recherche de quelque chose. Je n'en avais rien à faire de me perdre, me blesser, mourir même. On dirait que j'ai trouvé, non? Les endroits incroyables, la magie, les autres dimensions, tout ce que tu veux. Ça existe vraiment, il suffisait de chercher.
Les choses sont simples au final. Ça me touche vraiment que tu sois venue me retrouver malgré tout ce qui pouvait t'en empêcher. Mais je suis désolée, je n'ai pas l'intention de revenir. Les chevaux peuvent t'aider à rentrer si tu veux. Je n'ai pas l'intention de partir. Pourquoi ? Je savais que tu ne te sentais pas bien. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Et pourquoi tu es partie sans même me prévenir ? On est... amis, non ? Je te préoccupais tant que ça ? Puis de toute manière, tu m'aurais dit des trucs du genre « n'y va pas », tout ça. Bien sûr que non. Je t'aurais accompagnée. Merci. Tu restes ici avec moi alors ? Je n'ai d'intérêt pour rien d'autre.